Voilà, nous disons à Dieu merci pour cette opportunité qu'il nous donne de venir devant vous et partager avec vous une matière très importante pour la vie, c'est-à-dire l'éducation financière. Également les affaires. Je tiens aussi à remercier le général Sonny Kafuta Rockman qui a pensé à moi parce que il reconnaît la grâce que j'ai pour bénir le peuple de Dieu. Je remercie également tout le staff de l'école de Dieu. Natondi pe basali nyonso bakosana elongo na weta li petero na Nzambe. Travaille ensemble avec le général. Komaza kosala elongo na général. Pour que on arrive à assurer également au peuple de Dieu tous ses enseignements dans les différents domaines, chacun dans sa compétence. Oyete malakishi oyo epesa na libota na Nzambe moto na moto na sika zali kosala pe kosa makoki. Quant à moi, kasinangai, je crois que la plupart me connaissent. Pasteur Capitaine Mbombe. Et beaucoup connaissent par cette particularité que j'ai dit Liba les Abiens. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas des Liba les Abiens, je viens parler des affaires. Dans cette école, Dieu. Nous allons lire un passage de la Bible dans Luc chapitre 19, le verset 13. 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 La Bible dit, je lis pour vous au nom de Jésus, et ayant pris 10 de ses serviteurs, et appelé dix de ses serviteurs, il leur donna 10 marques d'argent et leur dit,
apesa ki bango ba palata zo mi pe alobi na bango. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Bo yiki nisa yango kino ete na kozonga. Amen. Amen. Voilà le seul verset que je vais partager avec vous et je vais parler des affaires en m'inspirant de ce passage biblique. Tala mokapo moko na kokabola elongo na bino pe na kolobela o etali mimbongo pe na kopema na mokapo na biblia ya oyo. Vous savez, quand le Seigneur parlait de cette parabole, il faisait allusion à un noble qui, au moment de partir en voyage, donna à chacun de ses serviteurs des talents et il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Amen. Amen. Vous savez, si on prend ce passage du point de vue spirituel, le Seigneur voulait tout simplement nous dire que nous sommes appelés à démontrer la réalité de la défaite de Satan parce qu'il a vaincu l'ennemi, le diable. Et voilà pourquoi sa victoire, c'est notre victoire. Et nous sommes appelés à nous tenir sur la parole de Dieu face à cet ennemi vaincu qui est le diable. Un ennemi vaincu, détrôné et paralysé. Wana kola nkota isabiso lolenge kani tozali na elonga Satana akakema po ete ya longa kie pe biso tokoki kolonga ye pe asa longwa na ngbende akweisama. Ça c'est la première compréhension que nous pouvons avoir sur ces passages bibliques. Wana ezali bosusu lia po tokoki kozwa na litangi na biblia ya oyo. Jusqu'à ce que Jésus revienne, kino Yesu akozonga, nous sommes appelés à démontrer la réalité de la défaite de Satan parce que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la foi, et sa victoire, c'est notre victoire. Donc, voilà la première explication que nous pouvons comprendre sur ces passages bibliques. Mais maintenant, du point de vue des affaires, parce que dans le même passage, si nous lisons d'autres traductions, on nous dit, faites les commerces avec ces talents que vous avez jusqu'à ce que je revienne. C'est-à-dire, faites valoir vos talents. Faites les commerces, faites les affaires avec vos talents. Jusqu'à ce que je revienne. Amen. Amen. Et voilà pourquoi ce noble, quand il voulait partir, il a distribué des talents à chacun 10. Et puis il a dit, je vais revenir, je vais voir ce que vous aurez fait. Chacun avec les talents qu'on lui a donné. Betala wana mokonzi wana yambo akende azui ba talanta pesi bango bina zali ko kende na kozonga pe na kotala oyo moko na moko akosala na talanta na ye. C'est-à-dire comment vous allez faire valoir vos talents, libérer votre potentiel, ce que Dieu a mis en vous. Liko ba ete lolenge nini boko kolisa talanta pe boko fungola makoki oyo Nzambe atia kati na bino. Parce que vous devez comprendre que vous êtes une semence que Dieu a jetée ici sur la terre. Et que cette semence est appelée à croître pour devenir un arbre qui va porter des fruits et les gens viendront cueillir des fruits sur cet arbre. Est-ce que si vous regardez votre vie, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes déjà cet arbre qui a porté des fruits et que les gens viennent cueillir de fruits sur cet arbre? Est-ce que vous avez du succès? Parce que le succès, c'est quoi? C'est connaître le but pour lequel Dieu vous a créé et libérer votre potentiel au maximum afin d'aider les autres. Aider les autres avec les talents que Dieu a mis en vous, lorsque vous libérez ces potentiels au maximum. Amen. Amen. Donc voilà un peu l'explication que nous pouvons comprendre cette fois-ci du point de vue
des affaires. Mais quand on parle des affaires, une affaire c'est quoi? Laissez-moi vous donner une définition que j'ai ici. Si on entend par une affaire, une affaire peut être définie comme l'art d'échanger de valeurs pour un bénéfice mutuel entre les parties impliquées. Je répète, amen. Une affaire peut être définie comme l'art d'échanger des valeurs pour un bénéfice mutuel. Donc mutuel entre les deux parties, c'est-à-dire entre les parties impliquées. Je vais vous donner un exemple pour me faire comprendre. J'ai l'habitude d'acheter des livres en ligne sur Amazon.com. Pourquoi j'achète ces livres? C'est parce que je puise des informations dans ces livres-là et qui me servent pour mon développement personnel. Et celui qui a écrit ces livres, il les met à la disposition des gens qui veulent en avoir. Et en contrepartie, pour avoir ces livres, il faut donner quelque chose, l'argent. Celui qui a produit ces livres, il aura l'argent. Et moi, je vais donner pour acquérir ces livres. Quant à moi, une fois que j'ai ces livres, ça va m'apporter quelque chose du point de vue intellectuel. Pour mon développement personnel. Et voilà pourquoi on dit qu'une affaire peut être définie comme l'art d'échanger des valeurs pour un bénéfice mutuel, parce que moi, en achetant ces livres, je vais recevoir des informations qui sont utiles pour moi, parce que on dit que quand vous avez l'information et l'éducation que cette information va vous assurer, vous aurez la connaissance. Et vous savez, la connaissance ou le savoir, c'est un pouvoir. Mais celui qui m'a vendu ces livres, lui, il aura l'argent. Et c'est cet argent-là qui va lui permettre de bien réaliser ses affaires. Et l'argent n'est rien d'autre qu'un moyen d'échange entre le bien et le service. Sans bien et service, aucune personne n'est éligible à aucune transaction financière ni des bénéfices financiers. Parce que si tu ne fais pas l'échange de ce que tu as, tu n'auras rien. Tu n'auras aucun bénéfice. Tu peux avoir le talent en toi, mais si ce talent n'aide pas les gens, mais qu'est-ce que tu peux avoir en contrepartie? Parce que quand on parle des affaires, on veut tout simplement dire que vous êtes appelé à répondre, à résoudre le problème des gens, à satisfaire à leurs besoins. Et quand vous résolvez les problèmes des gens, quand les gens se rendent compte que leurs besoins sont satisfaits par ce que vous leur rendez, en contrepartie, ils vont vous rémunérer. Et c'est ça les affaires. Amen. Amen. S'il n'y a pas échange, il n'y a pas affaire. Parce que on dit qu'il faut un bénéfice mutuel entre les deux parties, les parties impliquées. Mais qu'est-ce que toi tu donnes? Et voilà pourquoi le Seigneur a dit, faites valoir vos talents jusqu'à ce que je revienne. Faites les affaires
faites du commerce avec votre talent. Mon mongo na talanta na yo. Vous savez, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Alors que Dieu les a dotés des potentialités. Mais le drame, c'est quoi? Ils n'arrivent pas à libérer leur potentiel au maximum. Et vous savez, si vous ne libérez pas votre potentiel, c'est que vous n'allez pas aussi aider les gens. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit... Il était le père riche d'un multimillionnaire, un homme d'affaires, l'auteur d'un livre d'une grande réputation internationale qu'on appelle le livre intitulé « Père riche et père pauvre ». Il avait un père, son père naturel, comme aussi un père qui n'était pas son père naturel, mais comme son mentor. Mais son père a vécu dans la pauvreté. Il était un grand fonctionnaire. Travaillait. Qui était payé parce qu'il recevait son salaire. Mais il est mort pauvre. Son fils qui témoignait. Il a dit, quand son père voulait mourir, ils ont pleuré ensemble. Parce que son père disait, mon fils, je te laisse, je vais te laisser. Mais qu'est-ce que je vais te laisser comme héritage? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de bien qu'il pouvait laisser en héritage à son fils. Mais il travaillait, il était un fonctionnaire, il percevait les salaires. Mais il est mort. Dans un état de pauvreté. Amen. Amen. Tandis que son père riche, qui était le père de son ami, et qui l'a connecté à son père, son ami, qui a tout connecté Robert, à son père, et son père l'a coaché au moins plus de 32 ans. Vous savez, aujourd'hui, quand il témoigne, il dit, il est multimillionnaire. Il est un homme d'affaires. Mais il est une personne fortunée. Pourquoi une personne fortunée riche? Vous savez, quand on parle de la richesse, ce n'est pas seulement en termes de quantité d'argent que vous pouvez avoir. Quand on parle de la richesse, c'est en termes de moyens que vous avez et ces moyens qui vous permettent de pouvoir faire face à vos besoins. Je donne un exemple. Si vous avez, par exemple, $1,000, c'est une quantité importante, une somme importante. Mais vous pouvez dire que moi je suis riche parce que j'ai $1,000. Mais non, on n'apprécie pas la richesse dans ce sens. Il faut connaître quels sont vos besoins et ces $1,000 vont couvrir. Parce qu'il y a des gens, peut-être que si on regarde leurs besoins sont au-delà de ce qu'ils possèdent. Le $1,000, par exemple. Il a des besoins de $1,200. Mais comment vous pouvez dire que vous êtes riche aussi longtemps que vos moyens sont en deçà de vos besoins? Mais si vos moyens sont au-delà de vos besoins, je donne l'exemple, vous avez $1,000, mais que vos besoins se chiffrent à $500, alors à ce moment-là, vous pouvez dire que je suis riche en faisant tout simplement ce rapport entre $1,000 qui sont vos moyens et $500 qui sont vos besoins. Et si vous faites 1000 divisé par 500, ça donne combien? 2. Vous comprenez? Amen. Alors, vous allez apprécier ces deux-là, soit en termes de jours, soit en termes de mois, soit en termes d'années. Si c'est en termes d'années, cela veut dire tout simplement que vous pouvez vivre 2 ans
mais vous vivez vraiment dans l'aisance financière, vous vivez dans la liberté financière, c'est-à-dire que tous vos besoins sont pourvus parce que vous avez des moyens suffisants voilà. Pendant tout ces durées de temps. Wana okota la na mibale wana to ezali ya mikolo ya basanga to ya mibu wana okobi kata mibu mibale webiete makoki onaza nango ekosunganga uta batango nyonso. Et c'est de cette manière qu'il faut apprécier la richesse ou la fortune. Et il y a des gens aujourd'hui sur la terre qui vivent une telle expérience et qui arrivent même à dire que jusqu'au jour où je vais mourir, je vais jouir de ma liberté financière. C'est-à-dire que le moyen qu'il a lui permet de découvrir tous ses besoins et pendant tous les temps qu'il est en train de vivre aujourd'hui jusqu'au jour où il va quitter cette terre des hommes. Et c'était le cas de Robert Kiyosaki quand il témoignait de son père pauvre et son père riche qui lui a inculqué cette éducation financière et qui lui a permis de pouvoir jouir de la liberté financière. Et Zali, l'itatoli andeko o Robert ndia bandeko tato la natato ya bote ya mobola pe tato ya bokola ki mozio a kotsa ki likalisi opona kobika makoki na misolo. Mais comment on peut atteindre cette liberté financière? Kasi lo lenge nyoko okoma na bonsomi oyo na misolo. Parce que s'il y a des gens qui existent ici sur la terre et qui peuvent vivre sans se tracasser du point de vue financier, c'est parce qu'ils ont reçu une éducation financière et ça peut être basé sur cette éducation qui a permis à ceux qu'ils puissent jouir de cette aisance du point de vue financier. Et vous savez, quand je parlerai, je vais développer l'éducation financière dans mes prochaines interventions, vous allez comprendre que l'éducation financière consiste à répondre à certaines préoccupations ou questions qui sont des intelligences financières. Et la première intelligence financière, vous allez vous poser la question: comment vous gagnez l'argent? Vous êtes appelé à répondre à cette question: comment tu gagnes l'argent? Amen. Amen. Et ensuite, deuxièmement, comment vous protégez votre argent? Troisièmement, comment vous gérez votre argent? Quatrièmement, comment vous faites que votre argent, c'est-à-dire vous fructifiez votre argent? Et cinquièmement, comment vous vous servez des informations financières que vos états financiers peuvent vous produire? C'est l'ensemble de tous ces quotients intellectuels financiers, toutes ces intelligences financières qui constituent ce qu'on appelle l'éducation financière. Je vais partager avec vous ces informations et assurer cette éducation financière pour que vous puissiez acquérir la connaissance. Et sachez que quand vous avez la connaissance, le savoir, c'est tout un pouvoir. Amen. 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 Alors, j'ai dit, il faut atteindre la liberté financière. Il faut jouir de la liberté financière. Mais comment on peut y parvenir? Vous savez, dans mon introduction ici, sur mon texte, j'ai dit ceci: bâtir sa propre entreprise est le meilleur moyen de devenir riche. Amen. Amen. Je répète, bâtir sa propre entreprise est le meilleur moyen de devenir riche. Les gens qui n'ont pas reçu une éducation financière adéquate imaginent toutes sortes de moyens pour s'enrichir sans créer leur propre réseau d'affaires.
bato oyo bazwa malakisi na etali misolo te babanzaka na lolenge nyonso bamakoki mpo bakokozela mbongo na kozanga ete basala eloko ekokobendela bango mbongo. Mais vous savez, les personnes les plus riches bato ya bozwi koleka cherchent et construisent des réseaux balukaka mpe batongaka to basalaka bango masanga. Tous les autres basusu, c'est-à-dire ceux de la classe moyenne eloko babaya esika ya se et les pauvres mpe babola, préfère chercher un emploi. Bango ba monaka malamu nde baluka mosala. Amen. Amen. Est-ce que vous me saisissez ce que je viens de dire? Bon, je vais reprendre parce que c'est important. Les gens qui n'ont pas reçu une éducation financière adéquate imaginent toutes sortes de moyens pour s'enrichir sans créer leur propre réseau d'affaires. Mais vous savez, Amen. Amen. Et voilà pourquoi les personnes riches cherchent et construisent des réseaux. Mais tous les autres se retrouvent dans la catégorie de la classe moyenne et des pauvres, préfèrent chercher un emploi. Amen. Amen. Et vous savez, de nos jours, nous devons tous être des investisseurs. C'est très important. C'est pour dire tout simplement termes, que nous sommes appelés à avoir la mentalité des riches. La mentalité d'un entrepreneur, parce que un riche, un entrepreneur, c'est celui qui a un système. Et c'est ces systèmes-là qui fonctionnent et qui le génèrent du revenu. Je veux vous parler du cadran du cash flow. Et je crois qu'en détail, j'en parlerai prochainement. Et dans ce cadran du cash flow, qui est subdivisé en quatre parties, si vous tracez une ligne horizontale et une ligne droite, vous subdivisez ça en quatre et vous aurez quatre cadrans. Du côté gauche, dans la première partie, il y a ce que nous appelons les employés. C'est-à-dire les gens qui travaillent dans une société, et cette société est leur employeur. Et ils sont des employés, ils s'attendent à un salaire à la fin du mois ou bien un chèque de paye. Tandis que dans l'autre cadran, toujours du côté gauche, il y a ceux-là qu'on appelle des travailleurs autonomes. Un travailleur autonome, c'est quelqu'un dont lui-même il est le système. C'est comme quelqu'un qui a son magasin. Il a sa boutique. Il doit venir chaque matin, il ouvre sa boutique. Il va commencer à vendre. Mais si ce jour-là, il n'a pas la force de venir vendre, c'est qu'il ne va pas générer de revenus. Parce que lui-même, il est le système. Parce qu'il est en train de vivre, il a sa valeur financière fondamentale, c'est l'indépendance. Il est indépendant. Et s'il ne travaille pas, l'argent aussi n'entrera pas. Et c'est de là où on parle de cette catégorie des petites entreprises. Vous pouvez peut-être avoir une ou deux personnes qui travaillent dans votre petite entreprise là, parce que vous êtes un travailleur autonome, mais vous-même, vous êtes le système. Mais un employé, c'est quelqu'un qui travaille dans un système qui appartient à une autre personne ou bien à d'autres personnes qui sont des actionnaires, par exemple. Voilà un employé. Tandis que le travailleur autonome, c'est lui-même le système et il a sa petite boutique, une petite entreprise et il doit travailler durement. S'il ne travaille pas,
ne va pas générer du revenu. Donc, à mon salut, je commence à aller dans la bosomi, à zaina moi boutique na yeto li kablo na yemo ko dali kota la soki mkolwana salité a ko sape le côté pour salité. Mais laissez-moi vous dire, Kastika na bisabino, d'après ce que je viens de vous dire tout à l'heure là, ko la lisa maino so na otro belon kala mingi. Et les riches bazui construisent des réseaux. Tandis que les autres, et les autres là, ce sont des employés et des travailleurs autonomes. Un employé cherche un emploi. Je vous ai dit dans la première intelligence financière ou bien le premier coefficient intellectuel financier, comment on peut gagner l'argent. Si je vous pose cette question, la plupart des gens vont dire, je dois aller chercher un emploi. Vous allez faire une demande d'emploi pour que vous soyez engagé dans une société. Et d'après ce que je viens de vous partager, de telles personnes, c'est difficile de devenir des personnes fortunées riches. Parce que la valeur financière fondamentale qui caractérise un employé, c'est sa sécurité d'emploi. Vous savez, quelqu'un qui travaille, qui a déjà fait longtemps dans une société, si vous lui dites autre chose que ce qu'il est en train de faire, il ne va pas vous croire. Il ne va même pas se lancer dans ce que vous pouvez lui dire. Parce que pour lui, il sait qu'il travaille quelque part, on lui paye son salaire, et il a cette sécurité d'emploi, même si ses salaires sont minimes et qui ne lui permet même pas de subvenir à tous ses besoins. Tandis qu'un travailleur autonome, du fait qu'il a aussi une petite entreprise d'une petite taille, lui aussi, il dira non, peut-être il travaillait dans une société. Et il a dit, bon, peut-être on ne me paye pas convenablement, je dois m'occuper de mes propres affaires. Il s'engage dans une petite activité et il devient un travailleur autonome. Mais sa valeur financière fondamentale, c'est l'indépendance. Il a dit, bon, je ne vais plus faire profiter aux autres, il faut que moi-même je commence aussi à profiter de ce que je suis en train de faire. Mais il va se contenter seulement de ce niveau qu'il a, une petite entreprise, mais il ne va pas penser plus loin. Mais voilà pourquoi les gens qui voient plus loin, même s'il a une petite entreprise, il cherchera à devenir un entrepreneur, propriétaire de sa propre entreprise. Mais seulement, c'est différent d'un travailleur autonome parce que lui-même, il est le système. S'il ne travaille pas, l'argent n'entre pas. Mais si vous devenez un entrepreneur, c'est-à-dire que vous allez mettre sur pied un système qui est votre entreprise, et c'est cette entreprise-là qui va commencer à travailler à votre place. Même si vous ne travaillez pas, vous allez gagner du revenu. Et le revenu qu'on appelle soit un revenu résiduel, un revenu passif, un revenu sans exploitation active. Et voilà pourquoi, là, on parle maintenant des entreprises. Et au niveau des affaires, il y a différents systèmes d'affaires que j'aimerais partager avec vous. Et c'est ça qui va vous permettre de quitter les côtés gauche du cadran, c'est-à-dire de ne pas rester seulement avec la mentalité d'un employé ou bien d'un travailleur autonome avec une petite entreprise. Mais il faut viser grand, il faut devenir aussi un entrepreneur, propriétaire d'une entreprise, patron de tes propres affaires, en mettant un système qui va commencer à fonctionner
et vous générer de revenus. Alors, quand je parle maintenant de ces systèmes-là qu'il faut mettre sur pied, votre entreprise, et qui va vous permettre de devenir un entrepreneur, d'une manière générale, on a trois types d'affaires. Il y a d'abord les entreprises traditionnelles. C'est-à-dire, vous créez votre propre système. Et quand je parle des entreprises traditionnelles, nous connaissons ces entreprises, les grandes entreprises, ceux qui nous fournissent de l'eau, de l'électricité, toutes ces sociétés-là. Les sociétés de téléphonie cellulaire. Comprenez? Mais au moment où je suis en train de dire qu'il faut devenir un entrepreneur, peut-être vous pouvez dire, mais comment moi je peux avoir une entreprise d'une grande taille comme la Régie des Eaux, ou bien la SNEL, ou bien peut-être Vodacom, je ne sais pas moi quelle société. Sur ce point, beaucoup de gens sont limités. Autant mieux que je reste avec ma petite entreprise. De petite taille. Devenir un entrepreneur, comme appelle un entrepreneur, non, je n'ai pas tous ces moyens. Mais je vous dis que c'est le premier système d'affaires. C'est-à-dire que vous créez votre propre système. C'est comme des gens qui sont des employés, qui travaillent dans ces systèmes, ces entreprises. Ils s'attendent à un salaire à la fin du mois. Et le deuxième système d'affaires, c'est ce qu'on appelle le franchise. Vous savez, il y a des gens qui connaissent un peu ce type de chaîne du magasin. On appelle, par exemple, McDonald's. Souvent, on identifie cette chaîne de magasin. On parle de cette chaîne qui fournit des hamburgers. Mais normalement, sa spécificité, ce sont propriétaires des terrains, des immeubles. L'hamburger, c'est tout simplement un produit qui passe sur cette chaîne-là, ces réseaux, et qui permet à ce que cette entreprise soit vraiment une grande entreprise. Et là également, pour jouir également d'une marque déposée, d'une entreprise sous forme de franchise, il faut aussi avoir des moyens. Il faut avoir peut-être dans les $100,000, $1,500,000, $1,500,000. Et une fois que vous entendez cela, vous direz, mais je ne serai pas. Amen. Suivez-moi très bien. Je vous ai parlé du premier système d'affaires, les entreprises traditionnelles. Et si vous voulez devenir entrepreneur, vous pouvez adopter ce type de système d'affaires, mais vous n'avez pas ces moyens. De même aussi avec la franchise. Mais vous savez, il y a le troisième type d'affaires. Et beaucoup de gens aujourd'hui ignorent. Je le dis en connaissance des causes parce que beaucoup de gens ne connaissent pas cette activité. Bien qu'il y a des gens qui sont déjà engagés dans ce genre d'activité. C'est ce qu'on appelle le marketing des réseaux. Ou le marketing relationnel. Là, vous devenez tout simplement membre d'un système déjà existant. C'est ça le marketing des réseaux. On parle des réseaux pourquoi? Je venais de vous dire que les riches construisent des réseaux. Mais les autres cherchent un emploi. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire, si on parle d'un business au XXIe siècle, c'est ces business-là, cette entreprise-là de marketing
des réseaux ou le marketing relationnel. Oezali mombongo mota ko sala na kat na ekama mele mosusu to na nzela na basusu. Ce type d'entreprise qui a pris naissance vers les années 1950, juste après la Deuxième Guerre mondiale, et qui a pris de l'ampleur, et c'est ce type d'entreprise qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens deviennent des millionnaires et même des milliardaires en peu de temps. Parce que ça fonctionne sous forme des réseaux. Et quelle est un peu la compréhension de ces systèmes d'affaires? Vous savez, nous tous, nous connaissons que si nous voulons aller, si tu veux aller acheter un produit quelque part dans un magasin, quand tu pars, tu achètes, tu sors l'argent, on te donne le produit. Et en rentrant, tu peux aller faire la publicité de ces produits auprès de tes amis. Ou si tu as, par exemple, visité un restaurant, tu peux dire, oh, j'étais dans un restaurant, en tout cas, c'est merveilleux, et tu peux raconter cela à tes amis. Mais vous savez, quand vous allez dans ce restaurant, vous payez votre plat, vous prenez votre repas, et puis vous sortez. Celui qui gagne, c'est celui à qui vous avez remis l'argent parce qu'il vous a servi le plat. Mais en rentrant, vous allez parler à vos amis. Mais vous savez, le marketing relationnel, c'est quoi? Dans les temps, c'est-à-dire qu'avec ce système, quand vous allez vous acheter quelque chose et puis vous partez, c'est l'entreprise qui gagne. Qui ne vous rémunère pas. Mais les gens ont compris aujourd'hui parce qu'il faut distribuer la richesse à tout le monde. Donc, ce sont dit. Mais celui qui vient acheter un produit chez moi, s'il va en parler à ses amis, qui sont dans son réseau, c'est qu'il est en train de faire la publicité du bouche à oreille. Et cette publicité-là fait que les gens, une fois qu'ils entendent cela, ils viendront également dans ces magasins ou bien dans ces restaurants pour soit prendre le plat ou bien s'approvisionner si c'est un magasin. Et du fait qu'ils amènent des gens dans ces restaurants, et s'ils se rendent compte que c'est vous qui avez parlé de leur restaurant auprès de tes amis, alors à ce moment-là, ils vont vous rémunérer. Ils vont dire non, tu as droit aussi à une commission dans la recette ou les chiffres d'affaires que nous sommes en train de réaliser. Parce que des sommes importantes que cette société ou bien ces restaurants pouvaient investir dans la publicité pour que les gens connaissent un peu son restaurant, mais cette somme maintenant n'est plus dépensée et ce sont des gens qui font du bouche à oreille, qui en parlent aux autres et c'est pourquoi ils disent non, vous avez droit d'être rémunéré. Donc, c'est ça un peu la compréhension de ces systèmes d'affaires, les troisième type d'affaires, et qui est le business du 21e siècle, et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens deviennent des entrepreneurs. C'est l'idéal pour atteindre cette route-là vers la liberté financière. Mais le lingue, on a compagnie wana mbongo balinga komimisa pona okende kopanzela yango sango bakopanzela yango lisusite na ebele wana bakopesa moto wana po yenda azali kokende kolobela lobela yango yango nde lolenge ya misato ya mbongo oyo ezali ya ekeke oyo tozali pe yango nde ezali kosala mosala. Et je vous ai dit les affaires c'est quoi? Nalbegino mbongo ezali nini? C'est satisfaire aux besoins des gens, résoudre le problème des gens. Bosenga ya batu koyano la bosenga ya batu. Et ce type d'affaires fonctionne de quelle manière? Lolenge ya mbongo c'est que les gens ont des besoins divers. Et normalement, ces besoins sont subdivisés en trois. Il y a d'abord le mieux-être, il y a également l'internet relationnel. Vous savez, beaucoup d'entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires colossaux aujourd'hui, qui deviennent des millionnaires, les propriétaires de ces systèmes, c'est parce qu'ils répondent aux besoins des gens du point de vue du mieux-être. Vous savez, il y a des gens qui cherchent à ralentir le vieillissement. Et il y a ces sociétés qui mettent à la disposition des gens des produits
qui leur permettent de ralentir le vieillissement. Et du fait qu'ils répondent aux besoins des gens, c'est ça qui explique aussi que ces entreprises prennent de l'ampleur, ce type d'affaires prennent de l'ampleur. Il y a plusieurs types d'entreprises qui aident les gens du point de vue des produits pharmaceutiques comme des produits de santé. Je ne vais pas citer ces sociétés, mais ceux qui sont dans ce domaine du marketing relationnel connaissent de quoi je suis en train de faire allusion. Il y a le deuxième type d'entreprise qui répond aux besoins des gens aujourd'hui. C'est l'Internet. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à profiter de cet outil important. Alors que nous sommes à l'ère de l'information, nous ne sommes plus à l'ère agraire au début, comme on dit, Abraham, il était un éleveur, les autres, ils étaient des agriculteurs. Ça, c'était le premier type d'affaires qu'on a vécu dans le domaine de activités économiques. Mais après, on a vécu l'étape de l'heure qu'on appelle industrielle avec des Henry Ford, ces milliardaires de ces temps-là. Et il fallait avoir des grandes entreprises pour être quelqu'un de puissant, un grand entrepreneur. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire, et je vais attirer votre attention sur ce point. Nous sommes à l'ère de l'information. Et si vous n'arrivez pas à saisir cette ère ici, c'est comme on dit, les fils d'Isaacar ont discerné les temps, c'est que vous ne discernez pas les temps. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens deviennent des entrepreneurs, tout simplement parce qu'ils sont connectés à l'Internet, parce qu'ils jouissent des informations au travers de cet outil important et qui propulse les gens dans ce grand niveau d'affaires qu'on appelle des grands entrepreneurs, des grands hommes et des femmes d'affaires. Il y a des gens aujourd'hui qui viennent des milliardaires, des millionnaires, pardon, même par seconde, après quelques secondes. Tout simplement avec cet outil, l'Internet. Parce que c'est l'outil de l'heure actuelle du 21e siècle, parmi les outils des affaires du 21e siècle. Et puis il y a les entreprises de marketing relationnel dont je viens de vous illustrer un peu. C'était ces deux exemples-là du restaurant ou bien un magasin pour vous faire comprendre un peu ce type d'entreprise. Si vous êtes dans l'un de ces types d'affaires, soit une entreprise traditionnelle, soit une franchise, soit une entreprise de marketing relationnel, alors à ce moment-là, on peut dire que vous êtes un entrepreneur. Et vous savez la différence entre un entrepreneur et un travailleur autonome. Un travailleur autonome, il a une petite affaire qui contient peut-être 2 ou 3 personnes ou 5 personnes ou peut-être moins de 10 personnes. Mais quand on parle de quelqu'un qui est un entrepreneur, c'est qu'il a une entreprise qui emploie au moins 500 employés ou plus. Wana yangonde bokeseni na katna ma omisato o na tangi ya bakopani kasi ya moto wana akeseni na oyazali komilokela yemoko pwete moto za na katna nzela ya kopani ya monene azali na bato kama mitano tokoleka o bazali kosala na se na ye. Et peut-être vous pouvez encore dire, mais comment moi je peux avoir 500 employés, où est-ce que j'aurai cet argent? Voilà pourquoi je vous ai dit que les riches construisent des réseaux. Et ce type d'entreprise, ce type d'affaires, le marketing relationnel, c'est ça qui permet à ce que vous puissiez bâtir un réseau qui est un pouvoir, parce que c'est un des atouts de cette entreprise de marketing relationnel. Il y a plusieurs atouts et je vais partager avec vous prochainement ces atouts. Entre autres, ce type d'entreprise peut assurer votre éducation financière avec ces 5 points dont je vous ai fait allusion: comment on gagne l'argent, comment on protège l'argent auprès des prédateurs, comment vous pouvez gérer votre argent avec des outils de gestion, une petite comptabilité, un petit
budget que vous pouvez faire, comment vous pouvez fructifier votre argent et comment vous pouvez vous servir des informations financières. C'est-à-dire, vous avez votre état financier et vous pouvez interpréter ça. Vous pouvez avoir votre rapport financier où vous suivez l'évolution de vos recettes et de vos dépenses au jour le jour pour savoir si vous êtes au rouge ou si vous êtes au vert. Ah là là. Amen. Amen. Donc, je disais, ce type d'entreprise, le marketing relationnel, les business du 21e siècle, a des atouts. Et je vais partager avec vous ces atouts. Et c'est ce type d'entreprise qui peut vous permettre de devenir entrepreneur, c'est-à-dire quitter du côté gauche du cadran, c'est-à-dire employé ou bien travailleur autonome, pour passer du côté droit du cadran, devenir propriétaire de votre propre entreprise, patron de votre propre affaire et aussi investisseur. Un investisseur, c'est qui? C'est celui qui, celui pour qui l'argent travaille. Vous savez, un employé, c'est lui qui travaille pour l'argent. Vous entendez beaucoup de gens dire, c'est qu'il travaille pour l'argent. Parce que s'il ne travaille pas durement, il n'aura pas l'argent, il ne pourra pas vivre. Mais un investisseur, lui, ne travaille pas pour l'argent, mais c'est l'argent qui travaille pour lui. Amen. Amen. Et pour arriver, et la vérité, ou disons la valeur financière fondamentale d'un investisseur, c'est la liberté financière. Amen. 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 Je vous ai dit que nous sommes appelés à atteindre la liberté financière. Or, pour atteindre la liberté financière, il faut avoir un système qui travaille pour vous, même si vous ne travaillez pas, mais vous allez gagner un revenu qu'on appelle un revenu passif, résiduel, et en même temps, l'argent que vous allez générer, vous pouvez faire travailler cet argent et que vous pouvez placer même dans votre propre système, votre entreprise, et cet argent travaille pour vous sans que vous vous travaillez, alors à ce moment-là, vous vous contentez de tout votre temps, s'occuper de votre famille, de prendre le temps, de vous réjouir également. Voilà un peu, c'est ça la liberté financière, et jouir de votre argent convenablement. Amen. Amen. Donc, c'est pour dire en d'autres termes. Il y a d'abord l'employé. Il y a les travailleurs autonomes. Aussi longtemps que vous resterez du côté gauche, avec cette mentalité de l'employé, c'est difficile de devenir riche. Mais si vous devenez un entrepreneur, quelqu'un qui crée son système, son entreprise, qui devient patron de tes affaires. Et aujourd'hui, c'est possible avec ce type d'entreprise qu'on appelle le marketing relationnel. Cette entreprise qui a des atouts, entre autres, les réseaux que vous pouvez constituer. L'éducation financière que vous pouvez acquérir. Le leadership que vous pouvez exercer. Parce que si vous créez un réseau, je vous donne un type d'une entreprise de marketing relationnel qui est, on appelle devenir un entrepreneur internet. Moi, je le fais. Je le fais. Je vais vous en parler. Peut-être dans des séances prochaines. Vous comprenez? Dans ce système-là, on dit ceci. Vous pouvez bâtir votre réseau. Il y a quelqu'un qui a conçu son système, un logiciel, un système, et il met ça à la disposition maintenant de tout le monde pour que les gens puissent aussi devenir
des gens fortunés, des riches. Et comment il fait ses affaires? Il prend tout simplement des produits éducatifs, c'est-à-dire des leçons que vous pouvez lire, télécharger sur votre internet, lire et assurer votre développement personnel. Et en achetant ces produits, vous allez également vendre ça à vos amis qui sont dans votre réseau. Mais vous n'allez pas vendre ça en prenant par exemple ces produits comme ces supports que j'ai ici. Vous allez chez quelqu'un, vous lui vendez. Tout c'est fait sur internet en ligne. Pour adhérer, peut-être il faut donner une petite somme d'argent. C'est pourquoi je dis que c'est ce type d'affaires qui peut vous permettre de devenir un entrepreneur. Parce que seulement avec $10 pour entrer dans ce système, et peut-être avec la personne qui va vous former, peut-être vous pouvez donner peut-être $5, ou peut-être s'il vous dit $10, mais quand vous allez créer votre réseau, vous amenez des personnes, les deux autres amènent aussi des personnes, les deux autres amènent aussi des personnes, ça va faire 2, 4, 8, 16, 32, 64, ainsi de suite, et c'est facile d'atteindre 500 personnes dans votre réseau. Et c'est ça qui peut vous permettre de devenir un entrepreneur. Et mais ce n'est pas vous qui avez créé ce système. Mais vous entrez seulement dans un système qui existe déjà, mais vous allez construire votre entreprise tout simplement par les réseaux que vous allez constituer. Et ces réseaux, ce sont vos amis. Parce qu'aujourd'hui, on dit que le monde, c'est un réseau. Mon ami, si lui il est mon ami, ses amis deviennent aussi mes amis. Les amis de ses amis deviennent aussi mes amis. Et ainsi de suite, vous constituez un réseau. Et c'est pourquoi on dit que c'est un réseau des gens qui sont dans des relations et des relations d'affaires. Et c'est ça qui permet à ce qu'on puisse distribuer la richesse à tout le monde. Amen. Donc voilà ce type d'entreprise. Et si vous constituez ces réseaux, vous verrez que vous pouvez atteindre même 500 personnes. Vous serez étonné de dire, mais comment moi je peux atteindre 500 personnes? Mais c'est facile parce que vous avez seulement parrainé deux personnes. Les deux autres vont parrainer deux. Les deux aussi deux. Et directement, vous allez créer une chaîne de personnes qui se trouvent dans ces réseaux d'affaires. Et vous allez bâtir votre réseau, votre système. Ça va commencer à vous générer des réseaux. Et vous allez créer ce qu'on appelle une entreprise à domicile. Vous savez, je vais chiter. Il y a des gens aujourd'hui qui gagnent l'argent, ils restent à la maison, ils gagnent l'argent. Il est tout simplement connecté sur Internet. Il gagne l'argent. Amen. Amen. J'ai donné les enseignements sur le marketing relationnel. Je connais un peu tout le rouage de ce système. Mais je me disais, mais je voulais aussi mettre en place ce système, mais j'ai dit non, je ne peux pas le faire parce qu'il faut avoir des moyens. Les gens qui créent ce système, ils le font sur un serveur. Ils ont des moyens. Mais ils font tout simplement que les gens adhèrent dans ces systèmes et vous bâtissez seulement votre réseau. Et ces réseaux-là, c'est ça votre entreprise. Si vous faites entrer deux personnes, les autres vont entrer de l'argent. Vous allez commencer à bénéficier du travail des autres. Voilà pourquoi je vais terminer pour vous dire ceci. Comment on gagne l'argent? Soit vous cherchez un emploi, un boulot, et vous serez un employé. C'est peut-être la première chose que vous pouvez faire. Vous gagnez un revenu. Ou soit vous devenez un travailleur autonome. Mais aujourd'hui, c'est possible de bâtir aussi un réseau. Et ce réseau-là sera votre entreprise. Mais vous jouissez d'un système qui existe et qui ne vous appartient pas. Et vous allez gagner votre vie, même à domicile. Vous savez, dans le système que
moi j'exploite pour le moment. Il y a même des gens que j'ai intéressés, c'est-à-dire le fidèle de l'église. Pourquoi je l'ai fait? Vous savez, j'avais suivi le général quand il parlait un peu de l'école de Dieu pour introduire un peu tous les orateurs qui interviendront. Moi, je le fais aujourd'hui. Là, je suis un homme de Dieu. Mais si je fais les affaires, c'est parce que en faisant les affaires, j'aurai des revenus qui me permettront de financer le ministère. Et de la même manière, moi, je crois que s'il m'a fait appel, laissez-moi vous dire, ce que je vais vous apporter vous permettra de gagner des revenus et devenir entrepreneur. Et une fois que vous deviendrez entrepreneur, vous allez gagner des revenus et vous sera aussi facile de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu en donnant vos dîmes, vos offrandes, les aumônes et tout. Toutes les offrandes. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Vous savez quelle est la bonne nouvelle pour un pauvre? Si les pauvres, quelle est la bonne nouvelle que vous pouvez lui apporter? C'est la prospérité. Et notre Seigneur Jésus-Christ, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre sur le plan matériel et financier, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Et la volonté de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards, sur le plan matériel et financier, et que nous soyons en bonne santé physique, qu'on prospère également l'état de notre âme. Et quand on parle de la prospérité, je crois qu'une fois que vous deviendrez un entrepreneur, celui qui a son système, qui travaille pour lui, qui va lui permettre de générer un revenu, vous allez gagner votre vie. Un système, c'est quoi encore? Vous savez, moi j'ai un terrain agricole à Maluku. Ce n'est pas moi qui pars là-bas pour faire l'agriculture. Mais il y a seulement une seule personne qui est là qui travaille. Mais après avoir travaillé, après un certain temps, cette plantation me génère des produits que je peux vendre et gagner de l'argent. Et avec d'autres produits également consommés. Donc c'est un actif. Donc prochainement, je vous parlerai de l'actif, c'est-à-dire ce qui peut vous faire entrer de l'argent. Et peut-être pas les passifs, ce qui vous fait sortir de l'argent, c'est-à-dire la notion du cash flow. Et si vous créez votre entreprise, cette entreprise-là, c'est un actif qui va vous générer de l'argent. Même si vous ne travaillez pas, cette entreprise va travailler à votre place. Et vous allez gagner du revenu. Vous allez jouir de la bonne santé. Vous allez bien vous occuper de votre famille. Vous savez, il y a des gens qui travaillent, mais n'ont plus le temps, ou les enfants n'ont plus le temps de le voir à cause du travail. Mais si vous créez un système qui travaille, vous aurez le temps d'équilibrer votre vie de famille et le travail. Vous aurez le temps de la bonne santé et aussi de la liberté financière. Voilà, mes bien-aimés, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il faut acquérir la mentalité d'un entrepreneur. À l'heure actuelle, c'est possible. C'est un géant qui peut tomber. Si vous croyez à cela, si vous acquérez la mentalité d'un entrepreneur. Amen. Amen. Mais dans un premier temps, si vous êtes un employé, continuez à travailler. Mais à part le travail que vous êtes en train de faire, pourquoi ne pas créer un système qui va vous générer des revenus, même si peut-être vous ne travaillez pas physiquement? Mais ce système travaille à votre place et vous gagnez votre vie. La
L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Et si vous avez la mentalité d'un entrepreneur, je crois que vous serez des prochains millionnaires. Je le proclame dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous rende la vie selon sa parole. Cette parole qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et Jésus, il était riche, il s'est fait pauvre. Pour que toi tu ne restes plus pauvre. Tu dois vivre la prospérité à tous égards, sur le plan matériel et financier, et jure également de la liberté financière. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende la vie selon sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Beteresse Yesu maboko makasi. Nous sommes dans la vie de Sika. Alléluia.